clash cette pute, elle est jalouse. Elle dit que tu donnes ton cul à des blagues. En plus, t'es jamais sorti avec un noir. Non, j'ai trop peur. Je pense qu'une femme pète, je pense qu'une femme fait caca, je pense qu'une femme peut parfois avoir des odeurs. No way, moi le caca pareil. Ah, il faut garder ça. Ah ouais, je dirais que ça va garder son genre dans ce sens. De toute façon, je pète un câble. Mais comment ça? C'est un tue-l'amour, je trouve. J'ai la femme pour moi, elle fait pas popo, elle fait des bulles d'air, quoi, des pipis. Mais t'as raison. Parce que toi, comment tu t'envoies? T'es de Paris, t'es de où, en bête. On y va! Allez, monte un petit minou. Monte un petit minou. Non, mais le minou, le visage. Monte un petit le visage. Le minois, tu veux dire. Ouais, le minois, merde. Ah oui. Ah merde, non. Ça, c'est un peu chelou, là. Le minois. Ça m'arrivait vraiment, no joke. Ça m'arrivait que. Non, non. Non, non, avec une meuf qui voulait absolument que je la baise, sinon elle me laissait pas partir de chez elle. Hein? Et ça c'est véridique. Et ça c'est véridique. Cool, ça. Non, c'est pas cool. Crois-moi que la situation n'était vraiment pas cool. Ouais, mais ça s'appelle un viol aussi, hein. Ça existe. Et alors, du coup, t'as fait quoi? Bon, c'est une longue histoire, mais j'ai dû la. Bon, finalement, bon, j'ai. Non. Non, mais ça a duré 4-5 minutes où on s'est un peu embrouillé. Oh, vraiment? C'est toi, Senka? Quoi? Pourquoi tu mets un avatar? Tu t'as mis le cul d'une meuf en avatar sur Facebook? Oui, c'est le cul de mon ex. C'est pas mal. Ah ouais, NoFake. Ah, NoFake. Quelle posture vous voulez faire? Et ensuite, je vais prendre un demi-groupe, si vous voulez. Comme ça, je vous assiste. C'est ce que vous voulez faire, c'est ça? Oui, je vais vérifier du coup vite fait quelle potion on pourrait faire et je vous la transmets. Comme ça, vous pouvez vérifier. Oui, une potion à base de foutrine d'animal, oui. On va voir dans votre mémoire. Oui, ça va me revenir peut-être des mémoires. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui, les gars, dans mon colis DHL venu de France. Un litron, les gars. Ah, 33 Kinder. Non, je rigole, c'est du chocolat. Ah, ok. 10-15 minutes. Ah ouais, non, moi je parlais pas de ces temps-là. Pas. 15 minutes, Emma? Bah, ça dépend, hein. Ça dépend comment. 15 minutes, comment, c'est bien. Comment vous êtes chauffé. Ouais, c'est bien 15 moi, minutes déjà. 3-4 minutes, c'est bien aussi, non? Si c'est bien fait. Mais 3-4 minutes. Mais qu'il y a des doutes. Non, parce que 3-4 minutes. Genre. Ouais. Non, ça, c'est la taille de mon sexe, mais ça, on n'en parle pas en live, je pense, non. En plus, je l'ai montré à tout le monde. Bon. Du coup. J'ai ajouté la mandragore, j'ai quelque chose sûr. Turquoise. Ah, je peux parler ou pas, monsieur? Papy. Même en ayant, en ayant pris le relais pour aller t'excuser, lui expliquer et tout, elle t'a rien dit de plus par rapport à ça. Bah, elle m'a clairement dit qu'elle était très heureuse que je m'excuse et tout ça. On s'est revu une fois, on en a discuté. Mais elle, depuis après, des fois, elle me fait des blocages un peu et des fois, on s'écrit et des fois, on s'écrit pas trop, quoi. Monsieur, papy, réveille-toi. On est en plein cours, monsieur. On le vit encore, avec toi, con. Un peu de silence, s'il vous plaît, là. Il est en train de s'endormir. Oui, où? Excusez-moi, j'ai eu une absence, monsieur Krex. La potion orange, je crois. Oui, voilà, la potion devient orange. Secouez ensuite votre fiole de mandragore, cuite, liquéfiée, puis ajoutez la mandragore jusqu'à ce que la potion devienne jaune. Remuez dans le sens inverse des aiguilles du monde jusqu'à ce que la potion devienne verte. Secouez une fiole de mandragore, cuite, liquéfiée, la mandragore jusqu'à ce que la potion devienne turquoise. Je pense que c'est la potion devienne violette, ajoutez de la poudre rose jusqu'à la potion devienne rose. Remets dans l'essence des aiguilles du monde, je montre que c'est la potion rouge. Je pense que la potion devienne violette, ajoutez de la poudre rose jusqu'à la potion devienne rose. Jusqu'à la potion devienne orange, jusqu'à ajouter des aiguilles jusqu'à la potion devienne blanche. Juste comme ça, et ça ira très bien. Oh, regarde, là vous voyez les mecs. Regarde, envoyez la décision du rejet. Mais non, mais tu l'as rejeté alors qu'on n'avait même pas choisi. Nous allons parler du chou border de Chine. C'est une plante qui était probablement originaire de Chine, comme son nom l'entend, et est utilisée comme un ingrédient de potion. Voilà. Merci. Wesh. C'est ça le cours? Terminé. Donc lui va loin?
Et bon, je vous le fais pas, hein, mais il commence à chier dans l'eau. Et bizarrement, il se passe un phénomène extrêmement bizarre. C'est que du coup, les poissons s'agglutinent, pensant que ça mangeait. Nazim ne voulait pas que je le regarde. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé. En fait, j'ai demandé de tourner. J'ai mis le méga masque Décathlon. Je plonge la tête sous l'eau. Et je vois un espèce de bon poisson qui arrive autour de Nazim. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, les... Attends, regardez, bah attends, en plus je t'ai demandé de te retourner, hein, je t'ai demandé... Donc déjà, le banc de poisson se rassemble, je suis pudique de ouf, mais du coup les pro-nageurs qui avaient derrière nous, ils se disent « Oh, un banc de poisson, on va accélérer pour l'aller le voir !» La fleur, elle vient vraiment de Chine pas. Ou ouais. Pas du tout? Oui... Oh, tu fais chier avec tes questions, bordel. Exactement, oui, bah j'ai pas lieu. Arrête de faire l'homme, tu veux faire l'homme face à des meufs, en plus face à des grosses là, des baleines, des Twingo, wesh. Non, ta gueule, ça veut pas dire. Mais là, tu vois, quoi là, oh. Oh, tu fais quoi? Ouais, vas-y, aboyez, on dirait des Warchers. Ouais, je vais vous finir, je vais vous finir. Oh, toi, Eduardo là, arrête de faire le gars le voyou, tu fais bisous, ouais, ta copine, elle est belle, arrête de faire le mesquine. Ferme ta gueule, espèce de mouille. Voilà. Ah, ta gueule, ouais. Vas-y, je vous finis en miettes, bande de grosses. J'ai une vraie théorie à ce sujet d'ailleurs. Vas-y. C'est quoi ta théorie? Vas-y, dis-moi. Parce que si tu sors trop souvent, tu vas créer un pet fouf. Tu vas faire cet appel d'air. C'est vrai. J'ai remarqué. Alors, ça, c'est. Là, vous connaissez, je tiens des stats, évidemment. J'ai remarqué, si tu fais une levrette, que tu rentres une première fois, mais que tu ne ressors jamais. Zéro pet fouf, c'est stratégique. Ça, c'est vrai, ça, voilà. Merci, Bekao. Par contre, si tu t'amuses à faire un, regarde la gueule de mon gland, hop, tu re-rentres, un, regarde la gueule de mon gland, tu re-rentres. Attends, mais on connaît. Qu'est-ce qui. Mais qu'est-ce qui. Les Magnolia. Poissonne. Qu'est-ce qu'il fait, Nana? Ça va? Hey. Tu m'entends ou c'est le micro qui bug à cause de la douche? Tu m'entends? On t'entend bien. Ça va? Ouais. Tu l'as choqué, ouais, là. Ouais, tu m'entends? Je suis en train de prendre une petite douche parce que je travaille toute la journée, là. Ok. D'accord. Bah ouais, ça va. Tranquille, hein. Ça va, ok. Tranquille, loul, voilà, un peu froide, un peu chaude. J'ai pas payé le gaz cette année. Oh, putain. Et ben là... Là, tu vas créer la flatulence vaginale. À ce moment-là. Qu'est-ce que tu cherches sur le bout? Pas grand-chose, hein, écoute, pas de problème. Ouais, ah, bah c'est cool, hein. Voilà, moi non plus, je cherche pas grand-chose. J'étais là en train de chill dans ma douche. Ça va, toi, sinon? Les gosses, tout ça, t'as les gosses? Oh, il l'a fait rire. Oh, c'est dans la poche, Nana. Inch'Allah, elle habite dans le Nord. Quoi? Ça, c'est un message plus particulièrement à ceux qui aiment bien ça regarder, quoi. Parce qu'ils... Ouais, en fait, il y en a qui ils aiment bien. En semi-suspect. Ils sortent, ils se regardent un peu le bout, tu vois. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça, c'est très bizarre, j'ai vu ça dans les pornes un peu. Ils le frottent. Tu sais, comme si qu'ils marquaient sur un arbre. Comme ça. Mais qu'est-ce que t'espères faire avec ça? Il la marque. Ouais, il marque, tu sais, il caresse comme ça. Mais vas-y. Qu'est-ce que tu te fais chier là? Bon, bref. T'es déjà tombé sur des gens comme ça qui se regardent un peu, Emma? Ouais. Je vous en faites pas, c'est pas. Vous allez voir mon visage à la fin, vous allez voir que je suis quelqu'un à l'ancien d'un certain âge, mais je suis tout à fait charmant. J'ai une situation stable, vous serez à l'abri, si vous arrivez à. Ça va, les baisers, et on fera ce genre de choses ensemble. Après, moi, j'avais. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. J'avais testé des trucs. Genre de penser à ma mère juste avant des jacques. Et ça. Mais ça marchait. Bah non, en fait. Moi, que... voilà, hey, les gars, j'ai pas. Voilà, j'ai pas. Non, mais reste, mais que. Ah, non, mais... frérot, je t'aime pas. Voilà, je t'aime bien, j'ai pas. Voilà, j'ai pas. Mais non, mais il veut dire par là une pensée furtive, mais c'est juste ouais. Une histoire de demanding. Ouais. J'ai dit ma mère, j'aurais pu dire ma cousine, j'aurais pu voilà. Dire. Enfin, tranquille. Mais en fait, ça m'excitait. Merde. Et voulez-vous, Mâcher, pour qu'on puisse parler, je vous envoie mon visage maintenant, je vais me montrer face caméra. A tout de suite.
Ça va ou quoi, t'es joli? Joli, joli, fais le bisou. M'appelle Kila, il est dans les fiacs. Pas surpris l'acte, mais j'ai surpris une fellation, donc c'est bon. Non, je rigole. Pourquoi tu rigoles? Non, je sais pourquoi tu rigoles. En plus, je vais vous dire pourquoi il rigole, ce bâtard. Parce qu'il a imaginé ma mère, qu'il connaît, en train de faire une fellation à mon père, qu'il connaît aussi. Et moi, je suis rentré. Là, c'est bon, il est imaginé. Elle était comme ça, quoi. Regarde. Comme si elle allait chanter à The Voice, tu vois. Il n'y a pas de cheater en face, arrêtez de paniquer. On l'a bas, lui. Il y a un cheater. Ah ouais, alors regarde qui dit. Ah oui, je vois. Il y a plusieurs cheaters. Mort, il est mort, il est mort, le noir est mort. Je l'ai tué. Il y en a pas quand même. Ouais. Alors, nique ta mère, avec tes pubs H24, mentalité de blanc. Tu t'aimes trop avec des blancs, c'est sûr. Et donc en défense devant le tribunal, il dit salope de modo, suceur de blanc. Racisme, no. Moi, je peux pas ça. Hein. Et toi, tu vas lui laisser une chance. C'est ça que moi, je comprends pas. Non, mais arrête. Tu vas lui laisser une chance. Non, là, mais non, pas là-dessus, non. Là-dessus, non. Là, on va sévir. Mais t'es sérieux, mais rendez-vous église, mais ferme-la, mais... Oh là là, c'est vraiment que c'est lequel. Mais regarde à quoi tu ressembles en plus, t'as aucun flow. Respecte Maman et Gotaga, mec. Respecte-les, s'il te plaît. Je les emmerde. Fuck Gotaga, toi. Mais si, mais... Mais t'aimes trop m'accuser. J'aime trop t'accuser. Attends deux secondes, détends-toi, détends ton sgeg un peu, là. T'es tout le temps sur la défensive, tu vois, quand on te touche la peau. C'est pas ici que t'as fait un mauvais réglage? Ouais, peut-être. Regarde. Attends, je vais regarder, il était en bas. Attends deux secondes. Ah, effectivement, ici je vois beaucoup mieux là. Ouais, ici je regarde. C'était ici? Ouais. C'est ici? Attends, je vais juste régler les potards. C'est ici? Non, c'est non, mais... ici? Ah, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas eu la voiture. Il y a un mec avec moi là. Il y a trois mecs dans le supermarché. Il y a un mec là où je suis, John. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Va le défoncer, c'est moi, c'est Choupaz. Passe-moi une. Y'a personne. Mais ah oui, putain, c'est un nadier, c'est un nadier. Pourquoi tu suis là encore plus jeudi? Mais t'es bourré. Bon, attendez, je le kick du... On va rechanger. Hop. Mais t'es bourré, gros. Non, il l'a dit, le mec, il me dit, il y a un mec derrière moi, hein. c'est Riri. C'est bon, je l'ai ban, TS. On se fait encore des bisous. Coucou, Steve. Ouais. On fait comme si on s'embrassait. Et vas-y, retourne-moi comme l'autre fois, tu me retournes. Retourne-moi violemment. Tu me mets le ventre sur le rayon. Ouais, voilà. Très, très bien comme ça, ouais. C'est toujours avec grand plaisir que je reçois sous le toit de l'église les futurs époux qui ont choisi la voie du mariage. C'est un engagement civique et moral. Il suppose pour les époux un respect mutuel et un accompagnement de chaque jour. Pouvez-vous ramener les alliances, s'il vous plaît, un petit chien, un petit bon toutou pour les alliances? Pas d'alliance? Pas de contrat de mariage? Si, il est là, tenez. Ah, très bien. Mariez-moi. Il y a les témoins qui sont là. Merwan, voulez-vous bien prendre pour époux et épouse Choupa? Pour les papiers, oui, je le veux. Choupa, vous voulez bien prendre pour époux Merwan? Oui, je le veux. Vous pouvez embrasser la mariée et le marié. Embrassez-vous, bordel. Oh là là. Vous pouvez applaudir les mariés. Festoyons. Let's go. C'est bien de faire la langue. Oui. Comme ça, là. Comme t'as fait. Oui. Ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien. C'est bon. C'est court. Oh, j'adore, t'es jolie. Ah, fais les bisous. Vas-y, lèche. Moi, j'aime bien. Non, mais c'est Luffy qui a sucé l'admin, certainement. Ouais. À défaut de bouffer la chatte d'une beurrette dans son quartier, gueule, à ce clochard. Quartier. Calme-toi sur les beurrettes et tout, quand même. Bah, je veux dominer. Bah, quoi, au bois la baie, hein, tu vas me dire que les gens, ils sont pas, voilà, ils sont pas si clairs, on va dire, dans le coin. Hein, c'est un quartier populaire. Hein, c'est un quartier populaire. Remporte la victoire. Vas-y, Chapi, tu veux pas le dégager. Bah, mais fais pas du minorité, majorité. Fais voir un peu de barbe, là.
Crache un peu là. Mmh. Ah vas-y, crache là. Ouais, vas-y, crache. Ouais. T'as volé le bisou. Je savais te lécher les cheveux. Oui. Ah, je savais, c'est joli, la langue. Ah. Oh là là. Ah. Oh là là. Les cheveux. Je suis là-bas. Oh, con, quoi. Fais les bisous, j'ai mis la langue dans les oreilles. Ah, j'avais enlevé les crottes. Ouais, je vais attends, je vais juste décaler l'autre guignol là, attends. Non, si, non, en vrai, en vrai, non. Ah ouais. Mais il mérite, les gars, vraiment, il mérite. Oh non, mais non. Alors, c'est qui le meilleur? Sérieux. C'est lui qui m'a TK, j'ai rien fait. C'est vrai. Je vais couper le live. Je pourrais pas faire mieux ce soir, les gars. T'es où, Neylen? T'es où? Est-ce qu'on se la joue Derka comme t'es lui? T'es où? Je sais pas si un Derka ça peut passer avec elle. Non? Tu es de Paris, t'es de où, là, ton bled? Lacoste. T'habites où? De Lacoste. Non, mais c'est un sketch. On m'a filé les meilleurs ce soir. Oh là là, il bug, lui. Mais vous... Non, mais c'est régalade ce soir, c'est ouf. Lacoste. Oh, salut. Ça va? Bien sûr que ça va! Ah le bâtard! Non! Un, deux, trois, quatre, cinq, j'ai le temps, j'ai le bonus! Alors! On fait follow en masse sur Twitch! Je veux pas ça, je veux avoir mes follows, mes 100 000 followers, de manière légitime, pas comme ça, alors allez tous vous faire enculer. Je vous emmerde, je vous emmerde, ma vidéo elle est ruinée à cause de vous. Vous avez fait en sorte que je mette un câble.